Gréco les gars, comment vous expliquez ces chiffres? Comment vous expliquez aujourd'hui que nous soyons, nous, la France, encore un des pays les plus consommateurs de pesticides? Parce qu'on a expliqué aux gens depuis 40 ans qu'il faut consacrer le moins d'argent et le moins de temps possible à son alimentation, alors que c'est le contraire qu'il faut faire. L'acte alimentaire est un acte vital, il faut lui consacrer le plus de temps possible, par une préparation d'un vrai repas, et lui consacrer le plus d'argent possible, je dis bien en fonction de ses revenus. Et comme on est dans une logique de surproduction pour surconsommation, pour nourrir un système... En fait, on est en train de financiariser l'alimentation. Eh bien, on arrive à des situations telles que pour faire des produits rapidement fabriqués, pour pas cher, à distribuer aux masses, à bas prix, eh bien, on empoisonne les masses. C'est pas grave, il y en a un qui est très content, c'est le lobby pharmaceutique. Pendant ce temps-là, il vend des médicaments. Donc, il n'a aucune raison pour que ça s'arrête.